Donc, je vais vous parler de l'année 2019 qui, à peu de choses près, est conforme malheureusement à l'année 2018. Donc, peu de changements, mais malgré tout, une amélioration qui ne devrait pas durer. Alors, pour démarrer, je vais vous parler un peu de notre cher président Emmanuel Macron. Donc, pour lui, des désagréments risquent d'intervenir durant cette période. Celui-ci va perdre de sa notoriété. Il n'aura plus la reconnaissance qu'il avait au début de son mandat. Il va avoir beaucoup de problèmes et son panache va bien sûr en prendre un coup. Il y aura beaucoup de problèmes concernant les finances. Il va subir une grande phase de transformation et pour lui, rien ne sera plus comme avant. Les changements ne vont pas aller dans le sens qu'il veut. La période va être très difficile. Les Français, ils n'ont plus du tout confiance en lui. Il est trop près des riches et cela se ressent au niveau de l'argent des Français. Donc, il va être obligé de changer un peu, comme on dit, son fusil d'épaule, car il va subir de nombreux affronts et des déboires surtout. Certains ministres risquent de lui tourner le dos et démissionner. Tout jupitérien qu'il est, à un certain moment, il va se sentir désœuvré. Une partie de son passé va le rattraper. C'est à lui seul de résoudre ses problèmes, comme on dit. Pour lui, ce sera peut-être un juste retour de bâton. Donc Emmanuel Macron, c'est une personne qui sourit, alors en temps normal, il n'en a pas envie, mais il sourit pour sauver un peu la face. Donc il se cache derrière un masque. Donc le climat sera tendu et très sérieux. Une partie de la période sera obscurcie par un aspect pour le moins peu sympathique. Attention à l'insécurité qui va régner. Notre président aura un problème de santé à force de faire de nombreux déplacements et de s'énerver. Donc pour lui, les signaux sont au rouge. Attention, il doit se ménager. Par contre, notre ancien président Nicolas Sarkozy va aider notre président actuel Emmanuel Macron qui sera en perte de vitesse. Donc, après Brigitte Macron, donc notre première dame sera très présente et va s'investir à fond dans sa fonction. Elle va s'occuper principalement de l'handicap et aussi de la maltraitance et fera beaucoup parler d'elle cette année. Malheureusement, une crise sera d'ordre privé entre elle et son mari, qui devrait se stabiliser et reprendre son cours normal. Il faut dire que ce sont deux signes de feu, donc il peut y avoir un problème.